était venu comme un enfant. Il a fait tous ses travaux en enfant. Alors, s'il n'était pas donné à ses disciples de sortir et de parler par la foi aux arbres desséchés, et de parler pour bouger des montagnes par la parole, de partir à gauche et à droite par la parole, pas en donnant des commandements, il allait les dire que, ok, les enfants, moi, je peux faire ça parce que je suis le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de Nazareth. Mais vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes des hommes. Non, il est venu montrer aux hommes la capacité, l'image, comment faire les choses dans la foi, comment marcher dans la foi et faire des choses comme Adam faisait. Parce que Adam, quand il est venu, il faisait toutes ces choses-là. Dieu a béni Adam. Il a mis en charge. Il a dit que toi, tu gouvernes, tu domines sur la terre. Adam a perdu cette position. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous ramener dans la position. Alors, mon message aujourd'hui, la parole, cette parole est que c'est une parole d'encouragement. C'est une parole d'encouragement à mes frères et sœurs pour comprendre que on peut marcher dans la foi. Et quand on marche dans la foi, on peut faire des grandes choses. C'est à nous maintenant de croire. C'est à nous maintenant de... parce que la parole nous a été déjà donnée. C'est à nous maintenant de nous réveiller et de bouger les choses, de marcher dans la parole de la foi. Avec la parole de la foi, on rentre dans notre position première. On rentre dans la position dans la position que Dieu nous a donnée, la position de dominer sur la terre, la position de dominer sur les situations, la position de dominer sur les montagnes, la position de dominer sur les maladies, parce que le Seigneur avait toute autorité sur toutes les maladies. Et puis lui, avant de partir, il a dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné et je vous donne tout pouvoir de marcher sur le scorpion et de marcher sur le cobra et rien ne vous nuira. Maintenant, c'est à nous quand on prend la foi. C'est à nous quand on prend la foi et on marche sur le scorpion, on marche sur le cobra, dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi. Et comme il nous dit qu'ayez la foi en Dieu. Maintenant, quand tu as la foi en Dieu, tu sors et tu marches sur le scorpion, tu sors, tu marches sur le cobra, tu sors et tu vois une montagne, tu parles à la montagne, montagne, sors d'ici, jette-toi dans l'eau, montagne, sors d'ici, jette-toi dans la mer. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis comme Adam. Je suis dans l'image que Dieu a donnée.